vous allez sentir ce monsieur tout à l'heure. Tu t'appelles comment? Bonsoir, cher ami. Moi, je me nomme Mohamed. Mohamed. Attends, Mohamed, tu fais Allah, la Kouba, ou bien tu fais au nom du Père, du Fils, ou bien c'est Jésus. Bon, sérieusement, je prie. Je suis un musulman. Sérieusement, tu pries, tu es musulman. D'accord, quelque chose va se passer. Qu'est-ce que tu as pour lui? Armando, oui, merci, c'était vibrant, c'était chaud, non? Oui, tu as vu de temps, non? Mais nous allons marquer la différence. Oh, toujours, parce que parole bouche parlée, nos futurs chantres que vous voyez, nous allons faire incursion dans le répertoire du prophète. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Alors, seulement le titre de la chanson à proposer. Le titre. La Gosia Ziliwa. Est-ce que vous avez entendu? Le groupe n'a plus de force pour appeler. On va les aider. On va les aider. Applaudissez pour leurs éléments. On appelle. On va les bruits. On va les bruits. Alors, on peut partir. La technique, la réalisation, 1, 2, 3, go. La Gosia Ziliwa. Concept, le Zougou Gospel,
Il fallait qu'on démarre le mouvement au niveau de, n'est-ce pas, à Divo. Donc il fallait que ça soit fait cette semaine-là. Et nous allons démarrer par la grâce de Dieu. Mais ça nous tenait à cœur aussi de donner des jouets aux enfants. On devait le faire au niveau de l'orphelinat. Je m'excuse parce que au niveau de l'organisation, j'avais un souci. Il y avait un problème de... Il y avait un problème de tout ça, donc on ne pouvait pas en même temps se déporter à l'orphelinat et revenir en même temps ici au centre. Et donc on a voulu faire tout ça ensemble, la remise des dons et du concert ensemble, le concert ensemble. Voilà, je tenais aussi à dire merci à tous les enfants spirituels des États-Unis, à tous ceux qui nous ont aidés, n'est-ce pas, à finir notre orphelinat. L'orphelinat est déjà prêt. On aura l'occasion d'ouvrir ça officiellement le 20, c'est-à-dire dans le mois de janvier. Voilà, nous allons ouvrir ça dans le mois de janvier, afin de pouvoir accueillir les enfants. Nous avons une ONG et nous nous occupons des enfants démunis et en même temps des enfants orphelins. Nous permettons, n'est-ce pas, de donner l'éducation aux enfants. Vous savez que cette année, au cours de la rentrée scolaire, l'orphelinat, au fait, la Fondation Prophète Joël Crasso a offert 400 kits scolaires. Y compris 200 kits scolaires aux enfants de Zaroko et 200 kits scolaires aux enfants de la ville de Divo. Et en même temps, on a eu des réceptions au niveau de la fondation. Ben, c'est fini. La fondation, vous voyez, c'est déjà fini. On a déjà tout achevé. Les lits et tout ça. Le vin, ça serait opérationnel. Nous allons accueillir nos orphelins. Symboliquement, ça représente, n'est-ce pas, la naissance de Jésus. Voilà, symboliquement. Donc pour nous, il faudrait que nous partageons, n'est-ce pas, des cadeaux avec les enfants, parce que ce n'est pas que les enfants d'Abidjan qui doivent recevoir des cadeaux. Souvent on a l'habitude de voir les cadeaux à la télé et les enfants sont souvent choqués. Nous on a l'habitude de faire des Noël dans les villages. On l'a fait à Zaroko, on l'a fait un peu à Gros. Bon, cette année par la grâce de Dieu c'est ici, mais les enfants sont un trésor. Les enfants, vous voyez, ce sont des cadeaux que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Il faudrait que nous puissions prendre soin des enfants d'abord. Leur bien-être, ça c'est important de communiquer là-dessus. C'est vrai qu'on voit l'aspect cadeau, mais les enfants, ce sont vraiment des trésors. Il faut les éduquer, il faut en prendre soin, la santé et tout ça. Est-ce qu'on peut donner un coup de main aux enfants? Il faut s'éduquer les enfants, leur éducation. On va commencer à checker, on va commencer à les suivre. On a commencé, on a déjà des enfants sous la main. On va commencer, n'est-ce pas, à aller en famille. On va commencer à veiller sur eux. On va revenir encore sur leur noce scolaire. Parce qu'on vous a promis de regarder tout ça. Nous avons 400 élèves qu'ils sont en train d'encadrer. Je pense qu'ils ont fait des compositions. Il y a eu des résultats, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, donc on va organiser ça. Et puis on aura l'occasion de voir un peu le rendement. Parce que c'est vrai que la fondation Prophète Joël Crasso a commencé à vous donner des kits scolaires. Mais il faut un résultat. Si ça n'a pas marché chez l'enfant, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Il y a tout ça. Voilà. Ici, ce n'est pas une question de Jésus Tamogo. Hein? C'est vrai que nous, on est Jésus Tamogo. Hein? Mais même si tu n'es pas Jésus Tamogo, on peut te donner cadeau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Même si tu n'es pas Jésus Tamogo, on peut te donner cadeau. Voilà, parce que je vois mes parents. Mes parents. Voilà, donc on est ensemble. Ma vie,
Give me one.
perdu son père hier. C'est-à-dire qu'il joue la, de deux tambours. Son père est mort de tension, c'est une crise. Il a fait une crise cardiaque hier, donc il est obligé de rentrer ce matin. Voilà, un peu, voici un peu la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas vu les PQ. Sinon, c'est un peu percussion et tout ça. Voilà, sinon, que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus a gagné. C'est ma propre composition, cette chanson. Jésus revient. Jésus a donné à Noël. Jésus a donné. Jésus a donné à Gaba. 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 Dans le plan, celui qui va me livrer, Jésus a donné. Ses paroles se sont accomplies dans ce judas qui avait dit la main au peuple de judas qui a trahi Jésus. Adana Noale, Jésus a donné Noale, Jésus a donné. Jésus a donné Noale, Jésus a donné. Jésus a donné Noale. Jésus a donné. Jésus a donné moi, c'est le fait à table avec ses disciples. Il y a un de vous qui va me livrer, celui qui mettra la main en même temps que moi. Dans les bras, celui qui va me livrer. Ses paroles, c'est un copie, quand c'est Jésus qui avait mis la main. Le vendredi, il a trahi Jésus. Adonne-moi, allez, Jésus, adonne-moi. Jésus, adonne-moi, allez, Jésus, adonne-moi. Jésus, adonne-moi, Jésus, adonne-moi. Jésus, adonne-moi, Jésus, adonne-moi. Jésus, adonne-moi. Jésus, adonne-moi. Jésus, Jésus Adana, Jésus Adana, Jésus a changé ma vie. Chanter ça, c'est notre papa qui est là. Le prophète Joël Crasso, c'est notre papa. Raison pour laquelle je vous demande de l'acclamer très fort. Acclamez vraiment pour l'autre ciel. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Et depuis qu'on a notre toute animation. C'est un papa vraiment qui nous a beaucoup soutenus. C'est dans ce sens, notre ami l'a transmis.
Après le morceau de papa pour mettre sur son album. Et puis l'album aussi a connu un succès. C'est parce que c'est le morceau qui était payé par un béni de Dieu. Le vent pour l'année, la vente de la tête, au final, a eu le succès. Pour qui ça fait Jésus a parlé. Jésus donne ton cadeau. Jésus donne ton cadeau. Il donne ton cadeau. Est-ce que tu n'as pas que Jésus donne ton cadeau ce soir? Si tu n'as pas que Jésus, alléluia, tu dois répondre comment? Alléluia. Alléluia. Papa, Jésus donne ton cadeau. Bénédiction c'est cadeau. Délivrance de la sorcellerie c'est cadeau. Ton succès de l'année 2017 cadeau. Le travail que tu cherches tu auras un cadeau. Parce que je vais passer par mon papa le prophète. Et par le prophète tu auras un cadeau. Alors après dis très fort pour la vie de papa grâce. Jésus a ta maman, Jésus a ta maman, alléluia. Jésus a ta maman, est-ce qu'on peut comme Jésus noyau? Ça m'a mis une heure, une belle émoi. Le titre c'est patience. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Namadio,
Tanakasi Abenatu, Tanakasi Abenade, Tanakasi Abenatu, Tanakasi Abenade, Tanakasi Abenatu, Tanakasi. Si tu demandes quelque chose à Yahvé, si ça t'a venu, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Il va donner. Ton bébé, oh oh oh, délivrance. Je vais chanter un chant qui est mon appel et c'est le dernier morceau au Ferny. C'est mon appel, c'est lui qui m'a choisi dans mon salle. C'est lui qui m'a choisi afin d'apporter l'évangile partout, annoncer l'évangile de Jésus. Alléluia. À mon seul oh, amour, amour, à mon salé, oh, amour, amour, bien ouais, bien ouais. Eli est la bonne âme, ma guérigue moué, à qui vit à oh, ouais. Gamon sous la âme, ma guérigue moué, à qui vit à oh, à mon seul
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je n'attends pas la main. Que Dieu vous bénisse. Dieu compte sur vous. Vous les enfants, vous êtes une génération des vainqueurs. Et que je sur vous. Que vous soyez bons. Que vous deveniez des mains des meilleurs. Des cadres pour développer la nation ivoirienne. Des cadres pour développer l'Afrique et le monde. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On va commencer à passer aux dons. Je vais commencer symboliquement à donner des dons. J'ai lâché le micro. Je demande à toute la félina de Gagna de monter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'orphelina de Gagna. Vous faites la nouvelle avec nous. Est-ce que acclamer le Seigneur? C'est ça? C'est l'orphelina. Est-ce que c'est ça? Un chant d'abord. Un chant proposé par l'orphelina de Gagnon. Hosanna! 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 Ouvrons les portes! Ouvrons les portes! Oh, wow, mon Dieu de gloire! Lançons des cris de joie! C'est ça? Vous allez repasser. Donnez-moi le nom de l'orphelina. Emmanuel. Emmanuel, voilà. Vous allez repasser après pour le sketch. Je crois que c'est la remise des cadeaux. Tout à fait. Ce soir, je vais essayer. Espoir de vie. C'est une fondation qui s'occupe des enfants démunis, des orphelins. Justement pour leur encadrement, leur éducation et tout ça, leur bien-être. Donc, c'est pas notre première, c'est pas la première édition, c'est pratiquement. Nous sommes aujourd'hui à la cinquième édition. Voilà, la cinquième édition, nous avons commencé dans le village. Et nous étions en train de monter. L'orphelina s'est fait déjà prêt, par la grâce de Dieu. Et comme d'habitude, nous avons l'habitude de faire ça tous les Noëls. Donner des cartes aux enfants et leur communiquer quelque chose de très important. Nous revenons toujours sur l'éducation. Voilà que vous avez vu. Je suis celui-là qui encadre l'orphelinat. Ça peut aller? Ok. Je suis celui-là qui encadre l'orphelinat de Gagnoa. Et je vous rassure que la meilleure. Ils sont tous passés en classe supérieure. Et tous 100%. Donc ça s'acclame quand même. Et tous 100%. Et puis. Gagnoa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà, nous acclamons le Seigneur pour ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'encourager. La dernière fois, j'étais encore avec eux. J'ai reçu une délégation qui venait de l'Allemagne. Le responsable même vit en Allemagne. Voilà, donc j'en profite pour dire merci
Vous avez la salutation, dites un coucou de ma part aux responsables. Et c'est vraiment important de donner une gaieté du cœur à ses bien-aimés, ses enfants. Ils sont, la plupart sont des orphelins, orphelins en sens propre, sont des orphelins. Voilà, donc on a commencé, il y avait un problème, un souci. Et nous avons prié pour eux, nous avons encadré ces enfants. On n'a pas voulu que le diable détruise la vie de ces enfants. Nous avons mis la poussée en prière et le Seigneur a su le résultat. Il y a eu un suivi, je suis allé à l'orphelinat, j'ai consacré l'orphelinat. On a commencé un travail de fond et voici le résultat. Aujourd'hui, sont les meilleurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ça, il faut... C'est ça, on peut... Au départ, ça n'allait pas trop à l'école. Avant qu'on me rencontre, ça n'allait pas trop à l'école. C'était deux de moyenne et tout ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est qu'un sixième, il y a combien de moyennes? 15, 52, et puis la première de tout, enfant Jésus a 17 de moyenne, mais elle est malade. C'est ok, 15, 62 en sixième, c'est ça? Oui. Est-ce que ça clame au moins? Voilà, donc, c'était un exemple. Je demande à tous les enfants, la prochaine fois, la prochaine édition, il y aura un grand cadeau. La prochaine édition, nous prenons trois enfants. C'est-à-dire, nous allons prendre deux garçons, une fille. La prochaine fois, nous assurons leurs vacances. C'est-à-dire, s'ils ont... Quelle moyenne? 15? Les enfants de sixième, c'est ça? Bon, les enfants des sixièmes, quels sont ceux qui sont en CM2? Quels sont ceux qui sont en sixième? On m'a passé classe. Oh. Et moi, c'est en sixième, la cinquième, n'est-ce pas? Après cinquième, il y a quoi? Quatrième, non, quatrième. Et puis, examen, on a le BPC, après on prend quoi? Oui, après? Non. Oui? Non, terminal, il y a terminal. Après ça, c'est l'université. N'est-ce pas? Moi, je crois en vous. Vous allez me démontrer que vous aimez l'école. Si vous avez 14 de moyenne, vos parents ne payeraient, je m'occupe de l'aigu, c'est-à-dire de votre tenue, votre habit, jusqu'à toute l'année scolaire prochaine, je prends ça en charge. Je suis en train de m'amuser. Pour moi, là, c'est vrai, vrai. C'est pas amusement. Si vous avez 14 de moyenne, veuillez me signifier ça ici. Je prends tout en charge. Je prends la rentrée scolaire en charge. Même le petit déjeuner, c'est moi qui ai payé. C'est une vérité. Ça sort de la bouche de quelqu'un qui aime. Sous, vous avez 14 de moyenne, venez me voir. Moi, j'assure tout. Et pendant les vacances, on va essayer de voir. Mais pour l'heure, je vous promets que c'est moi qui vais m'occuper des fournitures scolaires et toute la rentrée. C'est-à-dire la rentrée scolaire en cinquième, là, moi, je prends tout en charge. Donc, mes regards sont sur vous. Vous êtes quatre personnes, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes quatre. Ok. Vous avez spécial du jouet demain. Parce que l'âge que vous avez, vous n'avez pas votre jouet ici. Vous êtes déjà des grands, on ne peut pas vous donner des bébés, des trucs comme ça. Hein? On a des vêtements. Mais vous les, ils sont quatre. Vous les 4000 chaussures. Les 4000 chaussures seront bientôt là. Et on fera appel à toutes ces personnes qui font partie de la fondation pour vous distribuer les chaussures. Cette fondation-là s'occupe aux États-Unis de chausser les enfants. Eux, leur vision, c'est de chausser les enfants. Nous avons eu les chaussures. On attend que la chose soit acheminée en bateau jusqu'en Côte d'Ivoire. Et ça sera officiellement, au niveau de la fondation. On aura l'occasion de distribuer les chaussures aux enfants pour vous permettre d'être bien habillés et tout ça. Que Dieu vous bénisse. J'en profite pour dire merci aussi à Elisabeth, plutôt Béatrice, cette femme congolaise, camerounaise qui s'occupait de ça. On a reçu aussi des vêtements, j'ai reçu des vêtements qui sont à la maison, des dons d'une famille camerounaise qui m'a donné des dons. J'aurai l'occasion de distribuer ça demain soir. Cette famille-là réside en Atlanta. Que Dieu bénisse. Ouais, petit, ça va? Ça, c'est un cadeau. On va vous donner des cadeaux symboliques. Tiens, c'est ton cadeau de Noël. Où est la fille, là? Tiens. Pourquoi tu fais pitié? Merci papa. Merci papa.
Merci papa. Merci papa. C'est tout? Tu es dans quelle classe, toi, dans quelle classe? CM2, ça va? Tu as eu combien de moyenne? Premier trimestre? Premier trimestre, il y a eu 10 de moyenne. Ah, 10, ok. Et toi? Ça va bien. Prions ensemble le Seigneur. Ok. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci. Le temps de ta mère de te manifester, de te glorifier. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur notre Dieu. Merci de bénir ses enfants, Seigneur notre Dieu. Merci de te manifester dans la nuit, aussi au cours des insusteurs. Merci au nom de Jésus-Christ pour l'éducation des enfants. Merci de te glorifier pleinement. Merci que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. De vous distribuer encore des habits, mais les parents retenez une seule chose. Si vous voulez que les enfants deviennent cadres demain, envoyez-les à l'école. Les cadres pour devenir ministre, pour devenir président de la République. Ce n'est pas la rue, c'est l'école. Encouragez les enfants à aller à l'école. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Est-ce que tu me prends le peuple? Jésus. Est-ce qu'il y a ton chat sur toi? Jésus. Je me prends bien. Je me prends bien. Jésus. Je me prends bien. Je me prends bien. Jésus. Je me prends bien. Jésus. Je me prends bien. Jésus. Il a béni sur ta vie, c'est ta vie. Il est ta vie. Ah, ce
de ta vie, il t'a donné la vie, mon Jésus. Il s'appelle comment, mon Jésus. Est-ce que tu peux dire mon Jésus, mon Jésus? Viens avec ton sang. C'est mon Jésus, mon Jésus. C'est mon Jésus, mon Jésus. C'est mon Jésus, mon Jésus. En même temps, alléluia. C'est pas un musulman, c'est pas celui qui c'est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon tour aussi, bémol. Vous savez, il reste combien de jours pour atteindre 2017? Il reste combien de jours? On y va. Il reste combien de jours? Quelques jours seulement. Il y a des choses que Dieu n'a pas fait dans ta vie. Ce soir, c'est le moment de lui demander. Dis aujourd'hui, c'est mon tour. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est mon tour. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est mon tour. Yeah! Lève les mains comme ça vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Balance les mains. Est-ce que tu peux balancer les mains? Dis à Dieu, aujourd'hui c'est mon tour. Ah, c'est fini, ta droite, Dieu te bénisse, mon Dieu. Mon Dieu, Dieu te bénisse. Merci encore. Aujourd'hui c'est mon tour d'accord, Dieu m'a sauvé, cette année c'est mon tour, Dieu m'a sauvé de la mort. Il t'a bien si bien guidé, aujourd'hui c'est mon tour, cette année c'est mon tour, il t'a bien si bien, je te souviens. Moi je te souviens, tu as ouvert les yeux, tu as bâti mes mains. Dios.
ce que tu seras tout. Dieu ne t'a pas oublié, non oui. Arrêtez de t'inquiéter, cette année-là, ça va aller. Dieu ne t'a pas oublié, arrêtez de pleurer, cette année-là, ça va aller. Depuis des années, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Cette année, 2017, il arrive, c'est un année, dis amen. C'est qui ça de ta bouche, ça va plus toujours. Je vais sauter avec toi. En loyer, plus rien à moi. C'est bien aimé, t'es déjà, et lui est d'accord. Jésus n'a pas encore fini de forcer ma vie. N'arrête pas jamais, tu ne vas pas d'être. C'est le terrain, c'est lui qui sort de ta famille. On saute, que Paris. Maintenant la dernière partie de la vie, je vais chanter avec toi. Je vais chanter avec toi. Jésus c'est mon Dieu. Jésus c'est mon Dieu. Je vais chanter avec toi. Jésus c'est mon Dieu. Tu es le champion, champion de ta famille. Tu n'as pas dit amen. Je dis tu es le champion, champion de ta famille. Ta famille comme tu dois. Tu es le champion, champion de ta famille. Ta famille compte dessus toi. L'année 2017, c'est ton année. Allez, allez, tout le monde pour ça. L'année 2017, c'est ton année. Et tu n'as même pas dit amen. Pendant que je suis à genoux, je te vois aux États-Unis. Pendant que je suis à genoux, je te vois à la mairie. Pendant que je suis à genoux, je prie pour toi. Pendant que je suis à genoux, je te vois à Atlanta. Pendant que je suis à genoux, je te vois à Bibliothèque. Je te vois dans la gloire de Dieu. Pendant que je suis à genoux, je vois ta promotion. Pendant que je suis à genoux, je vois la gloire de Dieu pour ta vie. Qu'il va changer la manière de danser, tu vas agir. Qu'il va changer la manière de danser, tu vas agir. On est venu ta pigeon avec la prison de Dieu. On est venu ta pigeon avec la prison de Dieu. C'est le gospel, mais c'est l'esprit de Dieu qui agit. Pendant que nous sommes en train de chanter, reçois ta mire. Tu es le Dieu, tu es le Dieu,
tu sais, je vais venir activer pour éclater ton seul live. Tu n'as même pas dit amen. Amen, tu veux que j'arrête de chanter? Tu veux que j'arrête? Tu veux que j'arrête? Tu veux que j'arrête? Je dis en 2017, c'est ton année. Si le sosie a bloqué ta vie, si le témoin a bloqué ta vie, tu n'es pas né pour suivre les autres, tu n'es pas né pour accompagner tes amis. Et Dieu sait ne pas bloquer ton étoile, et Dieu sait ne pas bloquer ta vie. Cette année, Tommy, tu sais, tu vas voyager. Cette année, Tommy, tu sais, tu vas te marier. Cette année, Tommy, tu sais, tu vas travailler. Cette année, Tommy, tu sais, parce que mon bouche est reconnaissante. Aïe aïe aïe, là où je suis arrêté la journée. Regarde, il reste quelques jours. Tu vas parler à l'année 2017. Tu vas dire Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Sécurisé, 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 sécurisé,
On te dit, tu sais, voici les paroles qui vont t'accompagner. Somme chapitre 23, verset 1. Sécurisé. La vie est sécurisée. Sécurisé, Carole. La vie est sécurisée. L'éternel est ton père, c'est toi. La vie est sécurisée. Je dis, tu ne manques pas de là. Vous savez, c'est quitter veut dire mettre des talons le jour du Seigneur. Tu n'avais pas répété ça? Dis à ton voisin, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Il peut y avoir plusieurs jours dans ta vie, ma fille. Mais quand le jour du Seigneur arrive, personne ne peut dire non. Je dis, le jour du Seigneur pour toi, pour le mariage, c'est en 2017. Tu n'as pas dit amen. Je dis, le jour du Seigneur pour toi, c'est en 2017. Tu n'as même pas dit amen. Je dis, le jour du Seigneur arrive. Ton mariage arrive, élévation arrive. Si tu n'as pas dansé, c'est que tu as un problème. Ta délivrance. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, 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 le jour de ton mariage, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Je vais te faire un peu de temps pour la vie.
c'est vraiment là, balance la main. Yo, balance la main, oh. Quand Jésus-Christ, il est toujours puissant. Yo, yo, yo. Maintenant, si tu es vraiment là, pousse un cri de victoire. Yeah, oh, Jésus est bizarre, oh, il est bizarre, oh, yeah, oh, Jésus est bizarre, il est bizarre, oh, mais sa situation ne faisait que s'empirer. Elle a entendu parler de Jésus, elle dit dans son cœur, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri, je serai restauré. Et cette femme a été libérée, il est bizarre. De Jéricho, lui aussi attendit que Jésus passait. Bâtiment, il s'est mis à crier. Comment? Si c'est David, la pitié pour moi. Si c'est David, la pitié pour moi. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Bâtiment, parti, je veux voir ta voix. Et Bâtiment a été. Si tu crois qu'il a jamais menti, est-ce que
avait dansé un peu. Si tu crois qu'il n'a jamais menti, il s'enfuit déjà parce que ton maudit s'est fait pour toi. J'ai dit, nous sommes à la veille de 2017. Quelque chose va se passer. Si tu me dis amen, après 5 ou 2 fois, yeah, il n'a jamais menti. Alléluia. Thank you.
croisé à jamais. Il ne vient pas, même si ton ennemi te voit, tout là, il sera là, il va t'oublier. Est-ce que quand tu me vois là, tu n'es pas content? Je ne suis pas un loupa, je ne suis pas un copain. Mais je suis en porte de Jésus. Encore, je chante pour lui. Si tu es content pour ça, pour ça qui les gens. Oh,
c'est pas les guerriers. On appelle à faire le gars. Le peuple n'a pas impossible. Le narcisse de salon. Le tablier du matin. Sur la terre comme bien sûr, pas comme ça.